Franchement, Twitch, fais pas ta pute. Lance-toi là. Lance-toi et dis-moi qu'il y a le transco. Dis-moi qu'il y est. Attention, Twitch. Ah ! First try ! Ça fait absolument pas 10 minutes qu'on essaye. J'ai lancé le stream à 28. J'ai lancé 6 pages, les mecs, il est en décalé, c'est trop cool. Yadar, il m'écoute en canon. Bon ! Maintenant, on va pouvoir relancer. Descendre vers les coléreux. Du coup, on arrive chez les rageux. Hop, moi je baisse la luminosité de mon PC pour pouvoir vous lire, parce que je suis quelqu'un de très pragmatique. Ça n'a rien à voir avec le pragmatisme. Oh bah, 3 nouvelles vidéos sur le channel LMF, je me demande pourquoi. Connard. Hé ! Super Yadar, tu peux nous laisser profiter du spectacle. Ah. Maintenant, LB pour sélectionner la magie utilisée. On peut pas avoir la magie de Twitch. Voilà, on est reparti. Donc, est-ce que le son est toujours aussi fort que d'habitude? Est-ce que je vais encore devoir gueuler? Je vais devoir encore m'écharper la voix. J'espère. Parce que bordel de merde. Vas-y, oh bah c'est pas du tout une arène ça. Vas-y, balance-moi. Balance-moi sous la toile. Ah, c'est bon, je suis chaud là. Oh non, pas les verres, pas les verres, pas les verres, pas les verres. On recommence pas avec les verres, merde. On recommence pas avec les tout piqués. Allez, c'est reparti, bah les couilles. Ok, alors par contre, vous, la punition direct. Ah ! J'ai même plus besoin d'appuyer ! Ah bah non, pas contre eux, je suis con. Est-ce que je peux en toucher un de vous ? Quand même. Mais c'est pas dégueu. J'aurais pas dû me mettre en normal, j'aurais dû me mettre en facile comme tous les losers. Allez, je tape sous ta mère, toi, ta mère la tempe. Allez, c'est parti. Oh non, le larynx, oui, oui, le larynx. En fait, je peux pas changer, c'était pareil hier soir. Ouais, en fait, y'a pas de changement sur le jeu. On peut pas changer le son, parce que, bah, voilà. Parce que c'est un jeu mal branlé. D'autres questions? J'en ai pas. Hop! Allez, toi, tu dégages. Oh, c'est pareil. On va essayer de garder notre jauge de... Est-ce que je peux jouer? Merci. Allez, toi, dégage ta grosse race. Alors, par contre, les poteaux, hier, ils ont dit qu'il fallait augmenter la croix parce que ça devenait une putain de Gatling qui a refilé de la santé. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, du coup, on va devoir absoudre à peu près le monde entier. On va devenir un cléric, mon gars. Un cléric beast, là. Donc, pas les couilles. Allez, ouvre ta bouche, ouvre bien grand. Ça fait bon, je pas. Allez, dégage ta grosse merde. Oh, sur le crâne. Tu l'as senti? C'est moi qui l'ai fait. Franchement. Allez, tiens, toi ta grosse merde. J'ai essayé de te faire marcher pendant des années le jeu, maintenant c'est bon. Cléric Henry. Non, Cléric Aramzim. Ok, j'adore les blagues. Hop, le poison, nique ta mère. Je suis en train de gueuler, j'ai la porte ouverte, il y a tous mes chats, je sais même pas où ils sont. Ça commence super bien. Y'a rien à droite, ni à gauche, ok. Oh non, 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 non. Eh, pas les plateformes qui s'enfoncent, hein. Béatrice est avec moi. Bah bientôt je vais la rechoper par le vagin, mon gars. Hop, grabbing by the pussy, comme il dit le go. Top FR. Allez, hop. Oh putain, encore les âmes. Encore les pistes du Judas, là. Ta femme fera une parfaite épouse. Franchement, la connaissant, non, c'est... Allez, j'ai réussi l'énigme. Tu fais un grand verre de je m'en bats les couilles. Ah, si tu peux me le servir, franchement, je suis prêt. Hein. Ok, c'est juste toi, Virgile. Hommes indignes, combien d'entre elles se prennent là-haut pour des rois qui deviendront ici-bas. Je viens de niquer Terrasse par principe, mais garde ma femme. Abandonnant derrière elles leur horrible mépris. Mépris.
Mec crayon. J'ai moitié envie de fermer la fenêtre parce que... Attends, je crois que je vais faire ça. Vous allez m'entendre gueuler, tant pis. Mais je veux faire rentrer ce qui me sert d'animaux de compagnie. Parce que ça... Ouais, le chat il est tranquille, il m'entend gueuler, il me regarde et fait « Oh bah, comment ça va la vie ? Oh bah, ça va !» Hop, attendez, je pose le casque, vous allez m'entendre gueuler, mais c'est pas de soucis. Oh le chat ! C'est parti, je viens juste d'éclater mon casque, waouh! Ça marche? Oh non! Toi tu fermes ta fenêtre, toi tu fermes ta gueule! Ah il se bat! Non c'est bon au final, est-ce qu'on m'entend? Parce que je crois que j'ai un peu arraché mon casque. Ouais, j'ai cette nuit là mais... Fils de connard! Alors... Ça c'est bien, ça du coup ce sera bien parce que on va ouais. Voilà. J'ai envie de lâcher un roux. Comment on fait pour faire ça l'armure dit. Ah c'est une magie. Magie, giné. Hop, voilà. Jugement, ça on s'en bat les couilles pour les étourdir. Ça la force, je sais même pas, ça sert à quoi. Ça par contre on a besoin ça. L'armure qui protège de 10. Michel. Hop. Et pour faire... Attends, c'est fait... C'est bon, ça passe. Pratique. Quitte pas. Voilà, de la vie, à l'ancien. Attends. Pourquoi il me disait que je pouvais grimper? Y'a un truc à choper? Ouais, rien à choper. Fous de ma gueule. Lâche-moi, ordure. Ordure. Taisez-vous, je vous demande de vous calmer. Je vais pas aller par là. Ça me paraissait être un bon endroit en fait pour aller dans des endroits. Ouais bah écoute, hein, j'essaye de dire des trucs, ça vient pas. On appelle ça l'improvisation. Dans ton venin, vermine. Eh déjà c'est toi la vermine. Hop, qu'est-ce que t'as à dire? Ah, rien, ferme ta gueule. Vas-y, fais péter le nouveau mob. C'est quoi cette merde? What? Ah t'es invisible, tu t'enflammes, ensuite faut que je te tabasse. Shit! Jésus-Christ! Bah non, la punition. Putain, voilà les connasses! Avec leur vagin tout pile! Ouh, les vagins tout pile! Non, 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 non! Casse-toi! Voilà. Voilà, voilà, allez, laisse le note, moi tu me fais plaisir. Pourquoi je suis pas décidé? Ah, je suis bien à choper! Non, 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 non! Pas la toche! Pas la toche! Dante, regarde-moi! Voilà. Voilà, allez, le ménage irlandais, comme le mélange à trois, le fameux, réputé par ça. Boum, allez, on calme les connards. Hop, 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 toc. Ah bah non, c'est juste un truc de connard. Par contre, attends, il y a deux ombres là, il y a les deux ombres. Putain, il y a la connasse qui est là. Hop, lui on l'éteint grâce à la poussière de Dieu. La poussière, la fameuse. Voilà, éclaté contre les murs l'ancienne. On apprécie. Des choses qui arrivent, pas de soucis. Qu'est-ce qui se passe? Pas d'alerte pour les hosts. Ah non, désolé, poteau.
Désolé poto, merci pour le host en tout cas, mais il n'y a pas d'alerte parce que... Parce que c'est sur console en fait, et du coup on n'a pas de... Il n'y a pas d'alerte, donc désolé. Ok. Ok. Bon jeu, bon stream. Cimer en tout cas, poto. Ok, donc je viens de crever parce qu'il y avait un putain de lag d'acide, mais il y avait une personne à récupérer. Et du coup, on peut l'atteindre avec les... On peut l'atteindre comme ça, là. On peut le faire. On le dit. Alors, c'est qui, toi? Bon, Odyssée. Flageller puis violer avec ses filles, la reine vengeresse des... Zissant, Isni tenta de mettre Rome à face. De toute façon, on est obligé de l'absoudre pour gagner des niveaux. On est obligé. Oup. Merde. Merde, t'as pu... Oh, voilà, bravo. Cimer Snake. Snake. Il a un beau registre, mais il fait pas de tour de Spider-Man, moi. Donne la manette. Repends-toi. Ouais, repends-toi, fils de pute. Ok, par contre, dans les reliques, on va devoir foutre... attends. Ça s'en garde. Dante peut absorber une certaine partie des techs. Ok, ça c'est bon. Ah, ça absorbe une partie des dégâts! La quantité absorbée augmente. Ça, c'est cool, ça. Ça peut peut-être nous refiler de la vie, mais du coup, on va foutre la rame qui donne plus d'absolution quand on absout des mecs, en fait. Si ça peut nous filer plus rapidement la Gatling super pétée du truc, go, hein. Parce que, les niveaux supérieurs, quand tu buteras des mecs avec la croix, ça te filera de la santé. Le truc absolument nécessaire, quoi. Et de toute façon, on a bien augmenté dans notre rang d'impi. Ok, par contre, j'ai raté. Là, c'est ma faute, ouais. Hop, magie. La santé, c'est bon pour la santé. Tout à fait, mon cher Kiri. Et j'adore le basket. C'est quoi? Oh, une des trois pierres de Béatrice, ça, c'est cool, ça. Il nous en manque plus qu'une. Et je crois qu'on a loupé la dernière. Vas-y, la reine, balance-moi la reine. Ouais, ok, plutôt. En plus, ça stun les mecs, franchement. Allez. Oh, au début du jeu, il se casse couille, franchement. Ouais, par contre, je vais pas faire ça. C'est celui à côté, par contre, qui a cassé les couilles avec son bouclier. Hop, lui on l'absout. Allez, pépère, dégage. Oup. Allez, prends-toi le petit coup là. Boum. Allez, chef. Et... merde. Les coups sévères dans la gueule, boum, stun, délire et fail. Merde, c'est bon, oui, ça faut l'esquiver. C'est bon, esquiver, je suis un peu du monde. Par contre, eux, ils ont un autre moyen de se faire absoudre. Ah non, ouais, c'était pas la deuxième animation qu'on a eue. Boum. Attends, ils vont me les envoyer en boucle là. Ou alors c'est justement un ascenseur et faut attendre pour faire les rounds histoire qu'ils reviennent. Hop, l'absolution. Il t'a plus tiré. Ça m'aurait tellement pas plu. Eh, j'ai ftuche. Samouraï. Oh, c'est une tuche, elle est pas trop belle.
Allez, tombe! Comment que je te dis? Hop, l'absolution pour toi, ça me fait plaisir. Là, c'est pas la même. Voilà. Nickel! Ça s'est bien passé. Et pas mal d'âmes. Oh, le gros bonus d'âme! J'ai touché Romain, c'est des Visigoths. Alors attends, qu'est-ce qu'on peut acheter? Est-ce qu'on garderait pas notre thune pour ce qu'il y a plus haut là? 4000? C'est quoi? On va prendre l'armure divine, tiens. Du coup, c'est dans la magie. Ok, c'est ça plus X. Ok, pas de soucis. Ok, je croyais que c'était du vide. Mon mauvais à moi, mon mauvais. Du coup, on aura une armure avec. Ok. Elle saigne pas du tout, ma copine! À part pendant ses règles, et encore, c'est moi qui lui autorise ou pas? Connasse. Oh, c'est quoi ce truc? Oh là, ça, c'est la suite du jeu, ça. Ça suit du jeu où je ne m'y connais guère. Ah, comme dans Darksiders, t'as compris, parce qu'il s'appelle Guerre, mais. Il y a un truc à faire là-bas? Ah non, c'est juste un écran avec beaucoup de trucs qui volent, ça, j'apprécie pas. J'apprécie pas trop les trucs qui volent. Levez! Andiamo! Par contre, on a notre barre de... Oh. Cinématique! Oh. Une tête qui vole, c'est jamais bon pour la santé. Hein. Par cet acte sacré, votre père immaculé vous absout! Nous sommes venus ici pour tuer ces hérétiques! Nous sommes venus reprendre la Terre Sainte! Depuis quand leur vie valent-elles celle des chrétiens? Franchement, tu me fais un animé sur... Tu me fais un animé sur Dante's Inferno seulement avec ce style graphique-là. Comment j'y vais tellement. Salut Naito. D'ailleurs, bonsoir tout le monde. Hein. J'ai pas salué tout le monde, mais bonjour, bonjour. Ah, une connasse. Mais oh, es-tu venu ici? La reine de Troie qui... Oh, qui vit la chute de son empire. Son âme brisée s'ouvre dans les ténèbres de l'enfer, flagellée par les damnés qui l'assaillent de toutes parts. Mais elle, elle a rien demandé, en fait, c'est son... C'est littéralement son copain, c'est un connard. Il y a un film Dante's Inferno. Depuis quand? Mec, je veux le voir. C'est un film d'animation? Oui, de toute façon. Merde. Tac, 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 tac. Toc, 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 je suis plus fort. Toc, 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 toc. Merde, raté. Moi, je suis peut-être pas le plus fort. Deuxième plus fort. Troisième. Combien d'âmes bonus? 960? Oh, c'est prenable, hein. Une animation comme Dead Space. Oh, stylé. Sur Steam, l'animé. Amen. Apparemment, quand on se fait décapiter, on voit sa tête voler pendant quelques secondes. Putain, t'imagines le bad. J'aurais pu faire une blague sur le badminton, mais franchement, ça aurait été très malvenu de ma part. Du coup, il n'y avait plus rien à droite, là. Hop, on a tout fait. Baisse les flammes de l'enfer, ouais. Oh non, franchement, la lave, ça pue du cul. Quel est ce bordel? Ok, c'était tout. Non, c'est pas tout. Eh, mais ça grimpe les flammes, là. Ça grimpe de ouf, en fait. On n'a pas le temps. Regarde, il y a une commande qui passe à tout. C'est ce que je peux, hein.
pas grave, c'est pas grave. Mais attends, je suis juste censé le mettre là, là, on est d'accord? Oh là, c'était quoi ce bordel là? Oh non, ouais, non, 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 non. En plus, il faut des énigmes sur les trucs là. Eh, vous êtes pas sérieux. C'est bon, j'ai. Faut libérer les trois? Putain, y'en a qu'un seul qui y va. Non? Je comprends pas le principe! Le premier, il y allait aussi? Allez, allez, allez! Protège les dégâts, autant en profiter. Voilà! Champion du monde tout terrain, mon gars! Champion du monde tout terrain! C'est-à-dire 88 minutes et c'est sorti en 2010. Ouais, pour la sortie. De quoi? Mais t'es pas sérieux, fils de pute! Oh non! Oh ta gueule, c'est quoi toi? Eh, franchement, j'ai envie de te punir juste pour kiffer, quoi. Putain! Oh, t'es pas sérieux. T'es absolument pas sérieux sur ça, par contre, là. Les flammes, elles te one-shot. Le truc... T'es un game designer, t'évites de le faire, quoi. À part pour punir les joueurs, mais encore... Même c'est Electronic Arts qui fait. Ouais, vas-y, mets-en. What? 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 Eh, bah les couilles. Bah les couilles, j'ai pas le temps. Bah les couilles. Le royaume. Y'a pas une BD aussi? C'est possible qu'il y ait une BD. Magnifique. Élève-toi, esprit. Ok, donc pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre du tout. Pas de temps à perdre, je n'aime pas du tout devoir recommencer une séquence timée. Ça me fout la pression au maximum. Ça, c'est pratique comme attaque, ne pas l'oublier, ne pas l'oublier. Sérieux. Réapparaît là, la putain de ta mère. Pas le temps pour les conneries. C'est pas le temps pour ces conneries. Allez, 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 avant que je m'installe. On se relève, on est là. Allez, 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 allez. C'est le deuxième, c'est le deuxième. Waouh, super, fais-moi péter, je te dirai absolument rien. Allez, balègue de la cinématique. Putain, on est obligé de se la taper. Perds pas trop de temps, stun avec la proie. Ouais, t'inquiète. Par contre, là, j'aimerais bien que la cinématique avance.
Allez, putain. Bon, on va casser les couilles, hein. Et bien comme il faut. Oh, c'est super stylé. C'est super stylé. Ok, il y a une plateforme tout en bas. Il y a pas un truc genre taper dans la tête là ? Non, que dalle. On va aller voir tout au bout d'abord. Voilà. Tiens, hop, qu'est-ce que c'est ? Tu me files quoi comme artefact feu sacré ? Any the fuck is this ? Is this ? Very much. Niveau denté immunisé contre les excréments comme ceux des gourmands. On s'en bat les couilles, à moins que ce soit un contre un boss utile. Pour l'instant, on s'en bat les couilles. Parce qu'on arrive à les esquiver, parce qu'on n'est pas des putains de losers. Qu'est-ce que tu dis, Virgile ? Vois, mon fils, la cité qu'on appelle Dité approche. Et avec elle, tous ses habitants meurent. Eh, franchement, je me tape pas tous les petits insectes de merde qui volent. Qui brûle en à part caca. Fait paraître les c'est ça. Vermeils c'est dans ça. Ce bas enfer. Oui, bah, y'a de la merde en bas, quoi, et puis c'est tout, hein. Tu vas pas se saouler, marcher. J'ai dit. Hop. Ok. T'es qui, toi? Tout Florence a goûté à ma colère. Un politicien colérique qui s'opposa au retour de Dante à Florence. Leur famille était rivale et Argentine dépouilla celle de Dante après son départ. En soi, j'ai envie de l'absoudre parce que j'ai besoin d'XP et que ça pourrait m'en rapporter masse. Il le méritait. Mais d'un autre côté, c'est un fils de pute. D'où Florence a goûté du coup, mi-chocolat, mi-raisin. Ouais, bah faudrait... J'ai envie de le tuer, mais... Il le méritait. Pour la suite du jeu, je pense que je vais devoir l'absoudre. D'où Florence a goûté tu vois, juste pour, à ma juste pour la suite du jeu. Il le méritait. Ouais, bah écoute, tu sais quoi, je suis Clément. Mais avec l'XP, voilà, surtout ça, l'XP. Franchement, pour l'XP, je le fais, quoi. En plus, ça file masse d'âme. D'ailleurs, une masse d'armes. Comme la voiture. Non, c'est une Mazda. Je dis de la merde. Bon, j'en ai raté un, mais il vaut mieux un que plein t'en auras. Toc, 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 toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc. Chope le PG. C'est combien d'XP? Ça fait 750 dames. Seigneur. Enchanté Clément. Je croyais que t'étais ici. De quoi? Ok. Bah franchement, je suis pour, mais j'ai pas compris. Pourquoi il a dit enchanté? Oh putain. Oh merde, putain. C'est... Allez, un petit c'est beaucoup, c'est parti. C'est quoi ça, droit chemin, on s'en bat les couilles. Martyr, on le prendra jamais parce que ça nous enlève de la vie. Ça peut nous rapporter de la connard qui vise pas le chat. Streamer nul là. Hey, Yadar, viens streamer s'il te plaît. Un sub. T'es pas sub. Oh. Ah ouais, donc c'est ça le Skix. Donc Caron il faisait quoi au final? Il se branlait la bite ou Allez la mitraillette. Balancez vos petites merdes qui volent, j'ai de quoi les tenir. La mitraillette. Tu préférais la mitriquette? La miche dorée. J'arrête. La mimole. La missile planétaire. Putain. La missile nucléaire. La médium femme. Non, c'est une blague, ça. C'était une blague, on arrête tout de suite.
L'ami entendu, l'ami fut. Ah, ça je vais pas. L'ami de pain peut-être. Tu te fais voler toutes tes blagues, Skiad, qu'est-ce qui se passe? Tu baisses? Mais non pas tu baises. On reste poli sur LMF. Wow! Je m'attendais pas ça. C'est super stylé. C'est légèrement stylé. Il t'a rien fait le poteau. Quel putain de loser. Ok, c'est bon, on l'a. On suit les touches comme il faut. On réussit des QTE parce que franchement, c'est super facile. Ok, c'est lui le boss. Oh bordel de merde. C'est un mec de Jack and Dexter. Oh la vache. Oh non, pas les toupies. Pas les toupies, pas les toupies, pas les toupies. C'est bon, on a eu les toupies. Ah non. Allez, cache-toi. Maintenant, tu me laisses partir, t'es bien mignon. On dirait Chronos de God of War 3. Pas vraiment. Bah juste qu'il est grand. Oh, attends, il y a la toupie. Comment suis-je arrivé là ? Béatrice ! Il me semble que nous avons conclu un accord. Tu lui touches les têtes et je te jure, je te défonce ! Il a abandonné. Il lui touche les... Mais il lui fait une petite glisse. Mais il lui a fait une petite glissette sur le nichon. Il lui a caressé notre chouche. Béatrice ? Va falloir qu'on parle quand on rentrera à la maison. Ah, il va prendre de la magie par contre. Parce qu'au final, ça me suce pas mal quand même le tonnerre. Apprenti sorcier. La façon comme ça. Moi aussi, j'adore Pierre des Caraïbes. Hop, la petite passerelle. Il ne tient pas. Oh non, pas les gamins, pas les gamins. Ah bah attends, il a retiré son poing, mon ami. Eh oh, eh oh. Eh oh. Se calme derrière le monstre de feu, là. Hop. Ah non, le gros. Allez, allez, allez. Allez, casse-toi. Voilà. Allez, tombe! Merci. Allez, le bon calmage. Oh putain, non, 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 pas les deux plus, pas les deux plus. Ah
Allez, 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 on les calme, on les calme. Par contre, on va choper un peu de XP sur l'autre là. Hop. Allez, viens. Ah. Autre méthode d'absolution était. Non, non, c'est bon, j'arrête. Arrête, poteau, arrête. On arrête de se battre pendant quelques secondes. Je récupère de la magie alors que j'en ai pas besoin. Je récupère de la vie aussi, j'ai un peu plus que ça. J'ai pas de la vie du tout. On active la passerelle, on se prépare et on rush ses morts. Voilà. Comme il fallait. Je suis aidé, je m'occupe de tout. Oh là. Et de TTT. Mais alors ouais non. Oh, je comprends pas là. Non mais t'as gagné ton pari, j'ai pas compris. Une tête. Oh putain. Hop, allez, l'absolution, c'est moi qui le fais. En plus, ça redonne de la vie d'absolution. Franchement, c'est quoi le souci? Bon, on envoie des démons au paradis. Peut-être que ça peut jouer à un certain niveau. Peut-être. Je dis bien peut-être. Et ça encore, on n'est pas sûr. Franchement, tant qu'on a toute la vie. Oh. Y a des meufs qui jouissent. Ça fait très mal. Allez, mais tombe, putain! Conne de toi! Ça m'en donne pas mal de gens. Oh bah les crèves. Vous êtes même pas mort! Ok, faisons comme ça. Hop, absolution! Niqué! Allez, casse-toi au paradis. Boum. C'est fini, ça y est, t'as arrêté de me faire chier. Oh non, encore des connasses. Oh putain, double dose de connard quoi. Ok, par contre, le double X, double Y, ça passe bien. Oh non, 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 c'est pas le moment. Voilà. Non, voilà, voilà. Ça, c'est genre le type de pas bon moment. Hop, allez. Hop, absolution! Allez, dégage! Ouh, le contre, tu le montes! Boum! Allez, dernière absolution, et on n'en parle plus! Béatrice Titu! Connard! Allez, balance de l'XP là! Toi qui crache de la lave. Oh putain. Ah c'est qu'on fait plus mal en mode rédemption. D'accord, c'était ça le truc.
crabe ou... Ouais, c'est bon. C'est bon, t'as fini de m'envoyer tous tes sbires? Non, apparemment non, c'est toujours pas fini. Si le dernier niveau, c'est que des arènes comme ça, mon gars, ça va pas. Ça va vraiment pas le faire, ça va être très long. Après, certes, je peux tenir en absolument. En faisant des absolutions partout. Ah, il va vomir du feu. C'est bon. Non, c'est pas bon. Je suis en train de manger très cher. Comme la chanteuse. Plus de rage de Sparte, c'est ça le problème. J'en ai plus, j'ai dépensé tout à l'heure contre les connasses. Ah, bordel de merde. Allez, vite. Laisse-moi t'absoudre, bordel de merde là. T'as si super. Voilà. Merci. Eh, mais tu parles de stock de santé. Heureusement qu'il m'a refoutu le stack de santé, le gros. Oh putain de ta merde. Voilà. Allez, on se calme, on arrête les combats, c'est très marrant. Et je veux aussi un peu d'aventure dans ce jeu d'action-aventure. Allez, laisse-toi faire, connasse. T'as vu comment il fait du tir de gueule? Bah ouais, carrément. En fait, l'absolution, il y a une fois c'est haut, ou haut et bas, et le reste du temps c'est faut se spammer. Oh, c'est joli. Joli. Je peux pas te dénier. Béatrice. Béatrice. En prenant cette fille comme tu l'as fait, tu m'as livré à Lucifer. Mais je l'ai pris par le cul, ça comptait pas. J'ai pas touché à toutes deux. Tu serais fidèle. Son indéfectible foi en toi était si touchante que je me suis dit... Cette femme est faite pour... Béatrice, enfin. C'était juste un petit coup de bite. Tu dois tout cela, mon ami. Maintenant, laisse mon pouvoir prendre possession de ton âme. Consommons notre union et ensemble, croque pas dans nous gagnerons. C'est pas une pomme, le paradis. Franchement, je sais à quoi ça ressemble pas assez à une pomme. On dirait un oignon, limite. What? Ne défais pas ça. Ah! Mais en fait, t'es qu'une grosse tepu, mais toi, même pas, je t'absoude ma vie, quoi. Consomme notre oignon. Ah bah, oh bah tiens, c'est con. Elle a perdu la foi. Le plus incorruptible a été corrompu. Sans déconner. L'innocence véritable a cédé face au péché de l'homme, comme tant d'autres choses avant elle. Est-ce qu'on voit tes tétés maintenant, Béatrice? Qui peut désormais me priver de mes droits? Oh, il lui roule une galoche démoniaque. Hé hey. Mais tu la manges de... Eh hey, franchement, hey, t'es gros cœur. T'es qu'une tepu, Béatrice. Franchement, je retourne à la maison, bats les couilles. Traverser l'enfer, maintenant je peux remonter. Hé hey, toi, le dieu tout... Oh, qu'est-ce que tu fais?
qu'est-ce que tu vas faire? Non, on va pouvoir le diriger. Ok. Ouais, ça me tente. Hein. Franchement, Béatrice vient te chercher par la peau du cul. Et je peux te dire que du cul, il va y en avoir. Hein. Moi, je suis le roi du monde. Hein. Personne ne fait des coups comme ça. Alors moi, je te trompe, mais moi, j'ai le droit, Béatrice. C'est la merde, Béatrice, j'avance pas assez vite. Et se venir tout seul comme Hervé dans Caméra Café. Béatrice, ce plan est très joli. Nous partîmes vers la ville. Nous partîmes 300, en revenant, on n'était pas beaucoup. Témoin de la cité. Je vis la vaste étendue pleine de pleurs et de tourments. Le feu crachait entre les tombes, les embrassant si fort qu'elles semblaient sur le point de s'abandonner. T'es encore sous le choc. Il en sortait des cris si violents qu'ils semblaient venir de malheureux écrasés de douleur, épuisés, à jamais perdus. Garde la pioche. Aïe, 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 aïe. Béatrice, je sais pas par où je vais, je vois plus mon perso. Le Stade de France. Oh, joli. Légias. Ok. Crachez du feu, maintenez B et orientez. Okay. Toc, toc. Qui c'est? C'est Jean-Louis. Les portes de Dité. C'est mon nom en verlan. Moi le chef ici. Ouais. Toc toc, c'est qui? C'est le troisième Reich. Je gagne des âmes. Oh, faut détruire. Faut détruire, on gagne des armes. V'là l'enfer de bâtard. Tu mets le zouk. Yadar, il met pas le zouk. Il met le zouk à fond dans la chambre. Attends, Béatrice, y'a des trucs à casser derrière. Tu veux rien, Béatrice. C'est toi qui me fous la haine! Béatrice Solcon... Attends, c'est quoi? Béatrice Solconos! Attends, non, c'est quoi la chanson? T'as envie de traiter de sale pute! Vous aurez été insulté les putes! Elles ne sont pas choisies de faire ce métier! Quand on sexe, c'est un évier! Plutôt un robinet, mais en moins pratique! Y'a pas les poignées pour la fermer! Là, je vais ramener un copain dans ce que tu vas être. Ah, c'est ça en fait. Hank smash Manhattan, j'en fais de la vie. Et l'alcool, c'est de l'eau. L'enfer, c'est de l'eau. Béatrice, tu vas me recracher ces pépins de tes morts. Tac. Ça fait rien. Il y a des moucherons. Faut casser ça. Oh bah non.
saigner le sol. On descend quand même super bas. T'as abandonné ton pote. Déjà que t'as que ta meuf et en plus t'abandonnes tes potes, super quoi. Bravo le poteau. Salut Yohan Alice, comment tu vas? Hop. Attends, y'a un truc là-haut? Non, faut viser ça. Hop. Et... Non, faut descendre plus bas. Plus bas, Dante. Plus bas. Bouge pas. Faut descendre. Hop. Fuck. Ok. Ok, mais du coup, s'il faut celui-ci, il y a quelque chose en bas, tout en bas? À part la mort? Non, il n'y a rien. Bon. Eh ben, c'est parti. Assassin's Creed. Ta queue que ta meuf. C'est avec les lambagos qui va avec. Ah, RIP poteau. Franchement, j'ai même plus envie de sauvegarder à un hôtel de Béatrice, là. It's by Spider, ça va comment? Eh ben moi ça va très bien. Ça va bien présentement. Oh non, pas du timé. Pas du timé, j'aime pas timé. Oh non, t'es sérieux? Eh, c'est plus ça. Attends, faut que je prenne par là. Ça, je pourrais sortir plus rapidement. Sartek, comme disent des haïs. C'est pas spécialement bon endroit pour tuer ça. C'est quoi, attends? Ok, je nique ma race. Éripé. Normalement, au premier truc, ça passe. Voilà. Bah oui, hein, vous souffrez, mais bon, vous avez peut-être tenté aussi. MDR, vous avez tenté le diable. Y'a quoi tout au bout? Y'a rien. Tu ne me feras pas tomber! Engeance de Satan! Chier dans ta mère! C'est à partir de maintenant que vous foutez des ennemis sur les cordelettes? Eh bien. Et allez, lancez! Mais non! La. Il paraît qu'il caille dehors! Sinon, Spider, dans le jeu, tu le trouves comment? Très bien. Ah, ok, on peut pas, c'est parti, la descente! Tant que le feu s'éteint, boum! Putain, c'est des isocules! Tu vas croiser Célestin. Oui, il est surtout banni, oui. Ah, la vie, ça prend, par contre. Wow! C'est Jésus qui a fait ça? Jésus, est-ce toi? Si c'est toi, tape trois fois. Oh là, hérésie. Le cercle de l'hérésie. Je sais même plus ce que c'est l'hérésie. L'hérésie, ouais, c'est... C'est les connards qui sont pas en train de croire. Oui. Salut. Tu trouveras ici les hérétiques avec leurs disciples païens de tout culte et de toute secte. Enterrés tous ensemble, brûlant dans un brasier sans fin. Ah ouais, c'est pas la joie, quoi, ici, en fait. Oh, c'est pas la joie, grand. Y'a pas beaucoup de joie, en fait, dans les enfers de base. Oui, non, mais ça se tient. Oh non, par contre, ça va être timé avec du feu et tout. Ouais, je connais. Tu les envoies dans le feu, ça les crame instantanément. Bon à savoir.
franchement les gars, je m'en bats les couilles. Ça va bientôt se remettre à brûler, j'ai pas envie d'être là quand ça arrive. Je m'en voudra pas si je spam. Hein. Hop, allez, l'exécution parce que c'est plus rapide. Hop, shit. Je prends la porte maintenant, maintenant. Merde. Dernier. Les sacrements, les sacres bleus, ouais. Ouais, mais enfin, c'est pas maintenant qu'il faut se remettre en question, ma petite dame. Les résines, c'est une drogue à base de tronc. Putain. Les résines, c'est ce qu'il y a dans les sapins. Allez. Oh là 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 là. Je reprends vite fait du truc qui est là, je sais pas ce que c'est. Waouh. Waouh. Laisse-moi kiffer la vibe avec ton mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Si moi ça me one shot, toi ça devrait être one shot aussi. Apparemment tu t'en bats les couilles. Enfin je crois comprendre. Mais ah bah voilà, vous êtes contents les gars. Il s'est suicidé à cause de vous. Ouais, Jésus est là. Hop, petite absolution. Comme Hitman. Hop, allez, casse-toi. Alors, il y a des trucs à choper là-bas, mais ça va être un peu la merde. Hop, on va le faire en plusieurs tours, hein, parce que j'ai pas confiance. J'ai pas confiance. Du tout. Tu vas avoir confiance ? J'aurais pu avoir confiance au final. Que c'est moi qui réactive les flammes. Maintenant, je me méfie des connards. Et des fils de pute. Oh là là, voilà, voilà. Non mais voilà pourquoi en fait je peux avoir confiance. Regarde-moi ce bâtard là. Ah, je t'absous parce que franchement, je mérite. Allez, dégage. T'as essayé de contrecarrer mes plans. Petit bâtir. On se dépêche parce qu'on sait pas s'il y en a un qui reste derrière. Hop. Salut, Virgil. Comment tu te téléportes, par contre, va falloir me dire. Tu peux pas me donner la technique. Après ma propre mort, je vis celui qui vint ici-bas, ôter à l'enfer un grand monde. Ôter, si, anciennes. Le premier père, son fils Abel, Noé, Abraham et d'autres encore. De tous côtés, la vallée profonde. Le roster de Smash Bros. Avec grand fracas. Et il les a tous emmenés. Parut alors frapper. D'amour. 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 Bienvenue à Ferrojean le relou. Le retrou. Le relou. C'est une bonne. C'est un bon nom de vie, ça. Hop. Premier arrivé, hop, premier servi. J'ai besoin d'aucun des deux, mais par contre, petit. Empereur Frédéric II, le roi des Romains, a la soif de guerre insatiable. Son âme souffle dans le cercle des hérétiques pour avoir été en conflit permanent avec le pape et l'église. Non, mais t'es un poteau.
En vrai, c'est pas du tout un poteau, mais j'ai besoin d'âme et j'ai surtout besoin de bénédiction pour améliorer ma croix. Parce qu'au final, oui, elle est très utile et je ne l'utilise pas assez depuis le début du jeu. Ah, faut laisser passer les... Putain ! Mais t'es sérieux ? J'aurais rien en point. Oh, j'ai appuyé sur mes trop tôt. J'ai appuyé sur mes trop tôt. J'aurais que dalle, 300 âmes, super. Première arrivée. Vois son royaume. Ça fait aussi mal quand tu joues à Euro Truck. Eh bah tu sais quoi, t'as qu'à lancer le jeu, connard. Boum. Tu vas faire quoi? Appuie sur LTB lors du jugement sacré pour projeter et étourdir les ennemis. En gros, les attirer et les repousser. Une force ajoutée à l'énergie rédemptrice. Ouais, donc en fait, ça augmente la puissance du mode Spartan, mais... Oh, Spartan. Le tremblement sacré fait plus de dégâts plus longtemps. J'ai bien envie de mettre plus de magie, parce que ça pourrait nous permettre... Quoique non, c'est qu'au final, je vais garder, parce que dès qu'on aura Tal 5, il va falloir qu'on chope ça, déjà. Et ça, là. Enfin, du coup, ça fait 6000... Ça fait 10 000, ça fait 13 000. Il nous faut 13 000. On va attendre. Surtout qu'on l'a dans pas longtemps, le niveau... Je préfère atteindre. Ouais. Oh, Adriax. Oh, Adriax. Ok, donc toi, t'es insensible à la, à la croix. Par contre, tu la sens bien, la lame, hein, espèce de tofu. Ah, je t'ai très dompté comme ton comment t'as jamais redompté donc. Avec ton petit cercle de magie à la con là sur le fond. Là. Ça ne fait rien la magie. Je suis con. Un combo de 50 dans ta gueule, petite vieille. Alors, c'est qui le papa? Le papa, mon papa est... In-game. Les dieux ont trahi. Yeah, trahi. Bah écoute, à un moment t'arrêtes de te plaindre et tu fais des trucs. Hein. On a marre de faire les trucs pour les gens. C'est bien relou à part. Hop. File les thunes. File les thunes. Hop, on va toucher la chatte de Béatrice, même si franchement elle mérite plus. Petite salope. Avec son petit boule. Oh la copine. Extrêmement mal en fait la croix là. Je pensais pas pendant tout le long du jeu mais. Ah qu'est-ce qu'ils font en premier la santé, les reliques, le fait d'avoir plus de tartouflex sur soi ou... Par contre que la connasse par contre avant parce qu'avec qu'est-ce qu'il fait. Viens sur moi, montre-toi. Voilà. Parce qu'attends, on a combien là? Est-ce qu'il va nous filer un truc? Non, il nous file rien. Parce que, attends, on a atteint le niveau du coup. Soit on prend les reliques. On peut prendre reliques plus soins.
Ou alors on prend l'armure qui nous rend encore plus de santé et on est encore plus résistant. Soit l'armure, soit la santé et le porte-relique. C'est vous qui choisissez. Je vous laisse décider à partir de maintenant. S'il vous plaît. Faites pas vos tapes. Le pantalon. L'armure. Surtout, vous acharnez pas sur votre clavier, il y a le ton. Relique santé, BSR. Les deux trucs, ok. C'est mon Choubi qui arrive, il dit même pas bonjour, ça reste un connard. Bonjour. Alors attends, on va mettre au final la bannière pour avoir plus d'énergie rapidement au final. Comme ça on va être assez pété le plus vite possible. BSR, bonsoir, trou du cul, je t'aime. Pour moi le BSR c'est ce que t'obtiens avec les trucs de moto là. Ouais mais de sécurité routière. Ouais voilà. Ah je suis pas le seul à être con. Attends par contre au final y a pas mieux parce que je suis en train d'y penser mais. Parce que ça, attends c'est quoi? Ah ça c'est cool pour la défense. Ok, ça on s'en bat les couilles. Les empoignades, on s'en fout. L'énergie rédemptrice, ça on l'a du coup, c'est pas dégueu. Une part de réussite a des chances de détourdir, ça on s'en bat les couilles. Permet d'exécuter automatiquement une attaque régénératrice lorsque Dante perd connaissance. Ça c'est cool, mais on en a pas spécialement besoin maintenant en fait. Ça serait cool à prendre pendant le combat, mais maintenant, balek. Dante est mieux protégé contre les attaques à distance, on s'en bat les couilles. Chaque attaque réussie augmente l'énergie rédemptrice. Ça, par contre, ça pourrait être pas dégueu. On va l'upgrade, ça. On va l'upgrade, on aura besoin plus tard. Ouais, je me disais, j'allais peut-être sauter dans le vide comme un trou de balle. Hein, tout en bas, y'a rien. Et du coup, j'irai voir le film, ça peut être cool à mettre. Dans ce coin de l'enfer, Épicure. Avec tous il adorait la médecine. L'âme en même temps que le corps ont leur grand cimetière. C'est ça? Du soin, par contre, non, il nous faut de la magie, mais le soin, ça va. Niveau soin, là, on va être bien avec toutes les aptitudes qu'on a. On va se faire pendant un bon moment. Ça pue, ça, par contre. Y'a rien à casser dans le coin pour avoir quelques âmes? Non. Bon. Oui, je sais comment faire glisser un objet. Ah, du coup, toi, t'es immunisé contre l'âme? Non, t'es immunisé contre rien du tout, en fait. Toi. T'es immunisé contre le vide intersidéral, en fait. Toi. C'est juste une casse-couille, en fait. Bah, c'était pas ouf. Ah, voilà. Maintenant, j'y vois un intérêt. Allez, mesdames et mesdames, on va se calmer la touche tout de suite. On va me rejoindre en l'air pour une petite séance d'apiculture. J'adore les araignées. Là, toi, tu vas rejoindre. Confessionnal. Pourquoi je peux pas vous choper, vous? Vous avez pas eu le temps de faire des animations, du coup, on met ça par-dessus la jambe. Pas cool. Le pot-au-feu. Ça sert à quoi, ça? Et c'est quoi ça sert? What? Ah, mais le principe reste la même. On a éteint le feu et c'est tout? La merde! C'est au cas où on retombe!
Ouais, bah pas convaincu hein. Ah toi tu dois être Épicure. Oh là, Cavalcante, Cavalcante. Banquier de commerce florentin dénoncé pour hérésie en raison de son athéisme. Il souffre avec les hérétiques dans les tombeaux. Ouais, par contre, ouais, non, chacun sa religion. Là, on critique pas, les gars, on critique pas. Il a le droit d'avoir ses convictions. Un peu de respect. Ça m'a la pute. Oh là, on va avoir pas mal d'âmes. On va avoir pas mal d'âmes. 960, c'est tout. Sérénité. C'est ce qu'on appelle ton perso Dante les Dantés. C'est super. Ton âme. Mais libre. La lave. De la lave en fusion. Bah écoute, pourquoi pas. Qui suis-je pour juger? J'ai passé Joe, je pourrais pas dire. Albante. Elle est bien celle-là. Et non, elle n'avait pas été faite. Tu es original. Ouais, non, pas spécialement besoin de vie. Par contre, besoin d'âme, oui. Ouais, je m'en doutais que ça allait être ça. Ça me paraissait bizarre d'en avoir un direct. Tu peux dab, Banaros, tu peux dab. Permission accordée. Attends, c'est pour l'emmener où tout ça? Va falloir coincer la statue, c'est ça? Non? Pas ça? Pourquoi qu'on a un caillou? Si on peut pas s'en servir. Il nous file pas. Il nous file jamais des cailloux pour rien. Hein. Ne me remontre pas la cinématique. Une émote du distributeur automatique de billets. Putain. Le mec chiant qui analyse tout. Ok, je suis paumé là. Ah, tu m'as eu, jeu vidéo, tu m'as eu, je ne sais pas. On met au bord ? Oh chic, dépousse-les. Ouais, moi qui voulais de l'aventure, là je suis servi. Hein. Ok, on active ça. Deux. Ça fait lever la statue. J'en suis très fier. Même honoré. Ça fait pouic pouic. Ça fait pouic pouic et je suis sûr que ça passe. Mais ça a fait des cailloux. Il y a du screen tearing de gros bâtard sur le jeu, mec. C'est ouf, aucune V5 sur le jeu. Dans le quart supérieur de l'écran. Ah ouais, ouais ouais ouais. Bon bah... Tant pis hein.
peux rien y faire, mais du coup maintenant je vais par là. Apparemment le caillou n'était pas utile. Attends, quoi qu'il... Je peux ouvrir la porte? Ah non, je peux ouvrir la porte. Attends, il y a forcément un truc à faire avec la pierre, mec. On nous file pas une pierre pour rien. Oh là là, Maquet, je suis teubé. Pour que la statue se baisse pas, il suffit de coincer le mécanisme. Bah je crois. Être porté au feu, c'est bon. Bah tu les deux. Est-ce que maintenant je peux passer? Oui, j'ai vu la belle porte. Ouh, la belle porte bleue. Normalement. Champion du monde! Sagesse de Saint-Lucie, ton temps est terminé, retourne donc tout du vin. Ok. Sympa de me dire qu'il y a du backtracking, par contre, ça j'apprécie, c'est même pas une vanne. J'apprécie que le jeu te dise, ouais, c'est bon, t'as fini ici, y'a plus rien à faire, dégage. J'aurais cherché sans doute une sortie pendant des milliards d'années après. Hein. Et c'est une vanne qu'à moitié. Hein. Je vous connais les filles, je sais comment vous gérez maintenant. Et j'ai de quoi faire en plus pour vous gérer. Voilà. La bisette. Il y a un truc qui brille à gauche? Non, c'est juste de la lumière. Hop, salut Virgile. Hop, attends deux secondes, je crois que c'est par là. Non, ça c'est juste de la vie, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, Virgile. Tu m'entends? On s'en bat les couilles. Arrêtez donc de vous plaindre, vent de tarlouse. Attends, y'a un truc là-bas, là. Attends, est-ce qu'on peut sauter en face? Putain, il nous bloque! Y'a un truc en face! Ah, en plus, on peut pas sauter. C'est une colonne en face. Ouais, bah peut-être qu'on trouvera plus tard. Oh là, ouais, vu que t'es coincé dans un mur, ça m'a fait peur. Je me suis dit, non, mon perso, il va être exécuté, parce que pas de raison. Mais non, ça va. Oh, on peut même faire des... Alors par contre ça va casser les couilles. Gratuit, franchement je peux offrir, ça me fait pas de mal. Dépenser de l'argent pour des gens qui le méritent, ça me va. Même si pour l'instant je dépense ma vie. Et la triste sumette. T'as foutu un pied dans le vide, Dante. Quel était ce bordel? Pourquoi t'as annulé ton animation? Alors c'était trop beau. Je ne te comprends pas.
Hop. Eh, le feu, je le sens vraiment pas. What? Ouais, je suis censé passer sur l'autre d'à côté. Ok. Mais s'il se dépêche pas, en fait, ça peut être possible. Ah, je peux même pas attendre, je peux pas sauter quand même. Bon, allez, un aller-retour. C'est bien, ça nous laisse le temps de nous poser, de parler boutique. Ça dit complètement le rythme. Ouais, mais carrément, mec, hein, c'est pas ouf du tout. Là, je me suis pris un coup, mais je veux bien. Ouais. Mais carrément ouais, en fait. Putain. Allez. Non, s'il te plaît, tombe pas dans le random comme un montage. Bon alors, les filles, comme je vous le disais, vous m'avez cassé les couilles. Plus en face. Faut que j'attende que la flamme là-haut s'éteigne et hop, on va chercher l'artefact. Ah, et en plus, il y a un mec, il faut aller chercher, j'ai entendu. Hop. Plus qu'une pièce. Ça va, je vais bien. Tu chantais le truc des chocobos? Je m'en serais même pas rendu compte, mec, si je le faisais. C'est quoi, épicure, là? Saut d'épicure. Niveau impiant, requis pour porter. Augmente les chances de coups critiques. Oh! Augmente les dégâts de 15% et assomme les ennemis en cas de coups critiques. Mais c'est pas dégueu du tout! C'est pas dégueu du tout, même! Ah, contre quoi? Ouais, ça. Mec, si ça augmente les dégâts, franchement, je suis pour. Hein. Alors, il est où, Épicure? Épicure-toi le nez. C'est pas drôle. C'est pas drôle, et cette douleur vocale que je vous ai... dont je vous ai affublé, j'en suis terriblement désolé. Mais j'ai défendu la France, l'Algérie, même. Salut poteau, comment tu vas? Ensemble, nous pouvons y mettre aristocrate, toscan et chef militaire qui croyait à la mort de l'âme et celle du corps. Niant ainsi la vie après la mort, condamne son avatrice pour ses croyances. En soi, il avait pas tort. Il s'appelle Farinata, par contre. Il a défendu Florence dans Hypto, tu vas niquer Béatrice. Eh bah écoute, c'est juste une question de point de vue, hein. Waouh, un péché capturé. Deux péchés. Trois péchés. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, 8. Ça mérite. Ça fait des belles tartes. Ça me fait chier. En fait, vaut mieux que je laisse passer plutôt que je tente des trucs. Nice. J'en ai loupé les trois quarts. Pas ouf. Faut pas ton fils de pute ce gentil pour toi. Tu vois, je faudrais pas mon fils de pute. Mais pas aujourd'hui. Ah, c'est où, pardon? C'est tout droit, c'est tout haut, c'est par où en fait? C'est là. Très bien. C'est bon, au moins ça te fait pas patienter 40 ans quoi. Non, Hoffman, je veux faire le truc justement pour avoir assez d'âme et pas me faire exploser la gueule pour le reste du jeu. Y'a une raison hein, que je joue pas les gros cons. Hein. Ah, c'était juste pour éteindre le feu.
bats les couilles en vrai. Pas bats les couilles, je viens de voir ma vie. Par contre, on a 6000. Non, on a que 2000 en fait. Je sais pas pourquoi dans ma tête on avait 6000. J'ai vu en fait un 6 dans la barre et j'ai fait oh, trop bien, on a trop de thunes. Mais pas du tout. Hop, hop. Hop, arrivé, c'est pesé. Un peu de thunes. Quelle est cette chose? Ah, c'est pour faire encore plus monter la statue. La détruire complètement. Très bien. Si tu me remontres la porte, je te jure. Ah bah non, en fait, c'est bon. Je croyais que j'allais devoir me retaper tout le truc, tout le chemin, mais... Là, c'est bon. Tombes enflammées, hop, finito, les ravioli de pito. Oh, tu peux faire la gueule, mais t'arrêtes pas à la lance. Aucun de tes potes porte n'a réussi à arrêter la lance. Enfin, la faux. Enfin, le truc qui pique avec un bon pote. Nani ? Je pense qu'il y a des Chinois ou alors des Japonais là-dedans. Ce serait bon à savoir quand même. Ah, de la santé. De la santé, c'est pas dégueu. Ah, là, du coup, on va choper l'artefact. Voilà. Ok, qu'est-ce que tu donnes, le toutou ? Est-ce que tu peux arrêter ? Et utiliser plutôt. Voilà. Un autre Frédéric. Il fait quoi? Niveau sacre 5, Dante a des chances d'appeler l'intervention divine lorsque sa santé est faible. Ce qui étourdit les ennemis et le soigne. C'est chelou comme truc. Ouais, bah je le ferai plus tard. Ah, on est déjà à 30. On est. Ok. J'en suis niveau combien? Qu'est-ce qu'il y a tout en haut? Ouais, ça c'est cool quand même. Il nous le faudrait assez rapidement. Et ça coûte que 4000. Il nous le faudrait assez rapidement. On va pas lâcher tout de suite la rame de Caron. Par contre, ça augmente les dégâts de 15%. Ça serait pas dégueu. On va le garder pour l'instant. Et ça, je crois que c'est la dernière pièce de Caron, je pense. Ah non, même pas. Et si. Trahi avec un baiser. Mal baisé, ouais. Hop, et du coup, on va pouvoir acheter l'armure niveau 3. Si je dis pas de conneries. Hop, armure divine niveau 3. Comme ça, on aura encore plus de santé quand on fera une magie. On peut en faire 2, je crois, du coup. Ok, ça, par contre, c'était un peu pute. Et on va dire que c'était parce que le jeu le voulait. Ok, ok, les plateformes, on kiffe. Qui n'aime pas les plateformes dans les jeux vidéo? Surtout pas moi. J'adore quand j'en dis tout. Oh! Ok, il faut peut-être un peu plus. Vite, on fait. Fuck! S, BTS! Wow, 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 yibiyo, yibiyo, wow, wow, yibiyo! Wow, oh, beau gosse. Ah, beau gosse. La rame de Caron. La rame. La rame. Je sais pas pourquoi il y a un relent de France qui m'interpelle. C'est pas super bien indiqué. Ok, donc on suit ça, pas de soucis. Hop. On a grillé le script, pas de soucis. Moi ça me va. Je crois qu'on a foutu le zbeul en enfer. Moi ça, franchement, le déchirant.
J'ai un autre nom, mais franchement, je prends comme ça. Mon fils. Mon fils. À l'intérieur de cette caverne. T'es même pas mon père. Se trouvent trois autres cercles, de plus en plus étroits, tous renfermant des esprits maudits. Maudits. Ok, du coup, il reste plus que trois cercles. Extrême, extrême speedrun any percent, world record 800 ans. Mec, t'imagines le nombre d'années qu'il y a des speedruns qui vont rester world record. Dans 1000 ans, on parle encore de toi parce que t'as fini tous Bread Simulator, mais rapidement. Putain. Bon, après, dans 1000 ans, on parlera peut-être pas de Bread Simulator. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, les techniciens, carrément, de la maintenant en enfer, ils sont H24 en grève, ou comment ça se passe? Même pas capable de maintenir en l'état tout ce bordel. Sans déconner, mec, t'arrêtes de me faire le Da Vinci Code. Je suis obligé de déconner. Les sociétés futures retrouveront Bread Simulator. On était un peuple évolué quand même. Personne n'a jamais dit ça. Dans 1000 ans, on se souviendra encore de la baston qui arrive versus Booba à Orly. Ah. Ça, par contre, ça, tu vois, c'est le genre d'événement où je m'en bats les couilles. Deux vieux qui se tabassent dans un aéroport. Eh ben, je peux le faire à Valette, hein. Et c'est signe que c'est pas ouf. Même s'il n'y a pas d'aéroport à Valette, je t'emmerde, t'as compris le principe. Franchement, ça servirait que d'aller qu'un aéroport. Déjà qu'il n'y a pas la SNCF. Ah, Yedda, il me reprend alors que je me suis déjà repris. Chet. Cette baston-là était plus rigolote que Booba versus la fouine. Oui, bah écoute, c'est son délire de se taper tout le monde, hein. Il n'y a qu'à se taper Béatrice. Pute. Tu vois, bien. Hop. On descend de... Wow, wow, wow. Quel style de ouf. Violence. Allez. Chicho. Y'a quoi tout en... tout là-bas, par contre. Voilà, y'a forcément un truc. Deux secondes, je prends ça. Et après, je m'occupe de vous donner. Hop, encore une pièce de Judas. Les Romains. Oh, Attila. Sont connus de Dieu, l'empereur des Huns intégré parmi ceux qui souhaitèrent voir leur sang plonger dans le sang des hommes. Je suis mort, étouffé par mon propre sang. Je peux rien si t'es con, hein. Moi, c'est pas mon souci, enfin, personnellement. Pitié, je suis mort comme un teubé. Tu penses qu'Elvis, il dirait pitié parce qu'il est mort sur des chiottes? Je crois pas, moi. Oh, mais j'étais dessus, là! J'étais dessus, la putain de ta mère! Voilà, 31, ça fait 930. Nickel. Sois loué, tout puissant! Est-ce qu'il y a une endroit qui se vomit en dormant? Nominé Patrice. Ouais, nominé Patrice, RIP. Allez, le chien, rends l'artefact! Merci, bon chien. Saut de Nassos. Nessos. Niveau 1 pi 5 requis pour. Les ennemis ne peuvent plus éviter les attaques légères de la faux. Eh, mais c'est grave stylé en fait ça. Imagine Dante qui doit appuyer sur son crucifix au bon moment, sinon il loupe des péchés. Bon, désolé Attila, mais j'ai réussi à presque tous les choper. Sauf celui où t'as touché des bombes, c'est grave. Bah, franchement, les cathos. Enfin, les prêtres et autres qui vont au paradis alors que... Bon, hein? Ils ont fait touche pipi. T'es grave stylé. T'es grave stylé de ouf. Oh ouais, on parle politique ici. Oh là, hey, je voulais pas te vénère, poteau.
Quel est ce bordel? Oh là là, elle était rouillée, hein. Faut le refaire plusieurs fois. J'ai l'impression. Je sais pas si ça va filer un succès ou quoi, mais... C'est quoi le but de cette statue? Pourquoi ils ont construit ça? Le fils avait du talent, c'est un genre de tout bon dégueu. Oh mais super, il a reçu la facture, comme quoi ils ont construit une statue de 150 mètres de Minotaure juste pour niquer un mur. Il a dû gueuler. Mais... Ouais, je sais pas ce qui était tenté, mais... Mais c'est tout? Mais attends, y a un truc à faire avec la statue? Mais attends, y'a forcément un truc, mais... Mais quoi? Là est la question. On le je refais une dernière fois, parce que je comprends pas ce qui se passe. Encore, t'as presque niqué la... Encore une fois, t'es tout. Eh, franchement, la vie de ma mère, tu m'as pas épuisé comme ça. Ok. Ah donc, ça faisait partie du jeu. Putain, je crois que je vais débloquer un secret super stylé, moi. Qu'est-ce que... Oh! Oh là là! C'est quoi cette rivière de sang, là? Ça pue le style! Et une odeur de style dans l'air! Le dé... Plégéton? 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 Le plégéton? Super stylé en tout cas. Oh, il y a des centaures. Mi-homme. La violence, un péché qui inflige mort et blessure à ton prochain. Ce cercle tourmente ceux qui assassinent et qui maltraitent, ainsi que toutes les âmes qui en abîment et en méprisent d'autres. Bah, au final, Dante, il a tous les péchés. Je crois. Elle est complètement stylée la map. Ah bah c'est pas agonie ça. Il y a des morts partout. What? Oh non. Je vais faire descendre sur terre, oui. Ok. Ah, c'était même pas une exécution, c'était juste pour changer de phase. Tu ne peux plus t'envoler. Oh Satan. Vas-y, faut juste venir voir ce que ça donne. Bah non, c'est la même animation, ouais. Ah non, là je demande remboursement là. Oh là, c'est pas ouf. Plus la merde, c'est pas... Non, c'est juste un mob, c'est juste la présentation de nouveau mob. Ok, on va se calmer. Ok, violence, je vois le genre là. Je vois le genre de la violence. On peut se calmer la chatte. La chatte! Ok, il va falloir switcher à chaque fois. En fait, non, pas spécialement, même, j'ai l'impression. Oh, il est tombé, ce con. Il est tombé, il est mort. Ok, il y a un save. Attends, j'ai pas envie de mourir comme l'autre con. Je suis tombé ?
à travers une plateforme. Va niquer ta grosse daronne, la reine des putes. Je la crie. Ils avaient pas le temps pour gérer leur jeu. Comment ça se passe, bordel? Bon, excusez-moi les gars, parce que moi j'utilise ça, j'ai pas les couilles, là je vais en faire rapidement. Oh la colère. Hop, allez, les ailes en moins, Fleck. Hop, allez, papillon, tu dégages. Ah bah, un V1, je te dose, hein, connard. Allez, goodbye, les gars. Pas comme j'ai foutu, ça y est. Bah, ma Cathy. C'est dommage qu'au niveau des exécutions, il n'y en ait pas plus. Ouais, ok, sinon... Ah, c'est juste par là. Goodbye, Lénine. Je comprends pas la référence, désolé. Non, ok, j'ai trouvé le principe, j'aime pas. Nice. Surtout, me laisse pas remonter. Et encule-moi à sec et game over. Wow. Putain. J'aime pas, putain. Ils ont mal géré leur plateforme, on a beaucoup trop de pain. Sans boucle 3, puis bon. Ça aussi, tiens. Mais quel est donc cet endroit? C'est l'enfer, connard! Je te le dis, Dante, en tant qu'ami, tu n'es pas prêt pour ça. Ami. Jusqu'à présent, j'ai toujours été prêt pour tout ce que tu m'as présenté. Ah ouais, en plus, tu te fous de sa gueule, toi. Le bois des suicidés. Certains Allez. Font parfois preuve de violence envers eux-mêmes. C'est ainsi dans ce lieu que ceux qui se sont privés eux-mêmes de leur vie se repentent en vain. Ok, donc la seconde phase de la colère, quoi. Enfin, la colère envers soi-même, le dégoût de soi-même. Putain, c'est vachement deep. Balance-moi les ennemis. Quelle est cette merde? Ok. 2, 3, 4, 5, 6. Attends, il a failli s'empaler ce pont. Ah, faut masturber. Quoi? Ok. Ah. Button machine contre Spider. Mais non, c'est même pas du button machine parce que je pouvais pas passer. Ah, faut niquer la glande de sang à côté et... Ok, gothique. Oh là. Oh là, ça fait Dante comme genre papa Dante et... Non. Voilà.
Mais je suis pas dans la zone. Ah, attends. Si j'éteins celui-là, là. L'autre, il est pas éteint, là. Oh, ils font une Senua. Ils font une Senua. Yo, c'est quoi ça? Il déchire la forêt. Bon, enfin, déchirer. Ça fait mal, quoi. Ça fait juste des cris. J'ai bien fait de faire un build mix quand même, hein. Mixte. C'est bon, j'ai pas besoin spécialement des arbres en fait pour créer. Ils seront démontés tout seuls quoi. Vous revenez à l'infini ou c'est juste pour me péter les couilles? Mon boss devait juste être pour me péter les couilles. Alors Spider mieux que God of War ou pas? Non. Non, pas mieux que God of War. Alors, franchement, si sur une échelle de God of War à Devil May Cry 2, et au niveau de God of War, mais genre un chouïa en dessous, voire un point en dessous. Salut Conrad, comment tu vas? Il est juste, en fait, il est un chouïa en dessous de God of War. Parce que déjà tu vois très facilement les arènes arriver. DMC2 c'est une purge mec, hein. J'entends tout le monde lui chier dessus, là, c'est une purge mec. Mais y a trop de phases de plateforme je trouve dans Dante's Inferno, c'est trop relou à faire. Bah en fait dis-toi que dans Devil May Cry 2, t'as quasiment un seul combo qui marche. Et toutes les armes, et ben c'est juste plus lourd et plus de dégâts. Je connais parfois plus rapide. Enfin c'est chiant. Chancelier de Frédéric II du Saint-Empire. Il ne sut défendre l'honneur de son maître. Emprisonné et ruiné, il mit fin à ses propres jours. C'est normal. C'est normal. J'aurais fait pareil. Pas du tout. Bonsoir. Attends. Oh là. Black Slash, je crois. Il y a trop de numéros dans ton pseudo. Il est franchement pas ouf à faire. Si tu peux l'éviter, DMC2, franchement, évite-le. Hein. Tu rattrapes pas grand-chose. Déjà, niveau scénario, ça apporte que dalle. Le scénario, il est complètement pourrave. Oh, je l'ai perfect, mon gars, à part un. Je suis à jamais votre fils. Backlash. Backslash. Déjà, faut que je réussisse à finir DMC1, il est pas simple. C'est trop pour lui. Bah écoute, j'ai plus l'habitude des numéros dans les pseudos. Voilà. T'as fait une bonne excuse. C'était quoi ce pétage de gueule assez ridicule? Tu devrais peut-être mettre un délai. Je suis pas un lâche, moi, Lucifer. Je suis pas un lâche. Je pensais que ça allait s'effondrer, je m'y attendais beaucoup trop, mais... Apparemment, ça va. La magie, j'en ai. Pourquoi il y a deux chemins?
500 d'IQ. Tu t'en fous, si tu te suicides, t'arriveras au même endroit de toute façon. Qu'est-ce que tu vas foutre, connard? Bon, rien en faire. J'ai jamais fait Dante's Inferno. Il est bien, il est très cool. J'ai sauvegardé ou pas? Même pas fait gaffe. Non, j'ai pas sauvegardé. Si on peut revenir sur nos pas, c'est qu'il y a un truc derrière. Bon, ok, j'ai rien dit. Viens, on fait en sorte que je ferme ma gueule. Dante. Ouais, Dante vous l'offre. Ouais. Pareil, c'est pareil que les pizzas. Eh, t'as pas le droit, ça. Hop, petite absolution, ça fait plaisir. Hop, c'est fini, ça y est. Allez, allez, ça descend la vie. Oh, mais allez, casse-toi. Sois maudit. Merde, je me souviens plus de ça, ce qu'on fait pas. C'est très ce bâtard. Ah bah là, ça contre moi, hein. Hop, petite solution, c'est moi qui offre. Attends, Russian fait quand même DMC2, c'est-à-dire dit que l'histoire de DMC2 est pas important, mais il va peut-être revenir vu qu'il a l'air de se passer juste avant le 5. Au pire, tu le feras après DMC5 et tu seras déçu. Si tu le fais avant, de toute façon, tu seras déçu aussi parce que tu toi, te feras chier. Non, pas les trucs qui balancent, voilà. Le zone, c'est la suite directe du 4 avec Nero. Bah si, en fait, ça se passe quelques années après. Mais en soi, si. Hop. Bah, oh. Et parti. C'est bon, c'est fini. Faire descendre... Ouais. Faire descendre le truc encore une fois, on sait jamais. Je trouve le mec, il joue plus à sa manette. Pourquoi t'acharner? N'as-tu aucune pitié? Mère. Non, non. Lorsqu'une âme se détache de son corps par sa propre volonté, Minos l'envoie vers le septième cercle. Ici, elle germe, poussant comme un jeune arbre, sans chair, l'écorce. Dans la douleur. Car il serait injuste qu'une âme possède ce dont elle s'est privée par sa propre faute. Oh là, t'es qui toi pour juger déjà? La place n'est pas ici, mère. La fièvre t'a tué. Oh. La fièvre a malheureusement eu raison de son cœur. Elle était bien trop fragile. Le corbeau qui se tape une barre. Ah ouais, la fièvre. La fièvre. Je méprisais la cruauté de ton père. Mais j'étais trop faible pour le défier. Alors, j'ai pris ma propre vie. Et
toi, il t'a menti. Fais-la tomber dans le sang. Pardonne-moi. Tout est ma faute. Je n'ai pas eu le courage de te protéger. Poison Ivy, elle a mangé. J'aurais dû. Sa fille du dimanche midi. Mère, comment ai-je pu tout perdre? Les hommes peuvent changer, fils. Certains finissent tels qu'ils étaient, fidèles à leurs principes. Oh là, tu commences à m'accuser mais alors que tu t'es suicidé? Tout ce que j'avais. Pourquoi l'ai-je trahi? Il est trop tard pour nous, fils. Trop tard pour nous, mais pas pour elle. Absous-moi. Mon âme n'appartient qu'à toi. Ah, nouvelle magie. Tu dois sauver Béatrice. Elle est innocente. Allez, ça sent la nouvelle magie. Ah, même pas. Ah, si. Fruit défendu, rendez-vous à l'écran. Attends, c'est quoi le fruit défendu? Parce que ça, au final, on l'utilise pas. Dante fait tomber le fruit d'un arbre suicidé, étourdissant les ennemis proches. C'est la merde. Est-ce que tu te souviens dans God of War, tu sais, où il t'obligeait à utiliser la magie pour passer une zone? T'avais pas le choix, quoi. Là, c'est bien. Allez. Oh, il m'a contré. Allez, toi, je te rends encore rejoindre ma mère, fais lui un bisou de ma part. Elle doit pas être loin du succès pour avoir toutes les punitions aussi là. Du coup, on va commencer à punir un peu. Hop. Ah. Ah oui, quand même. Oh, on arrive dans un champ de ruines. Stylé, ce petit désert. Violence peut être commise contre le divin lorsqu'en son cœur on le renie. Bah même si t'as un pendu devant toi, ça se trouve, il parlera pas la même langue ou alors il est nazi. Et puis merde, l'éternité c'est long, hein. Plus que mes doigts. Merci, Yadar. Le mec qui compte sur ses doigts. Oh, les sables démoniaques. Oh, les sables démoniaques. Ça brûle même pas les pieds, ta merde. Alors que pourtant, ça a l'air de chauffer. On peut pas leur faire confiance. Allez, balance les gènes, ça fait plaisir. Hop. Attends deux secondes, je prends la récompense et après je suis à toi. Hop, encore une pièce. J'aurais pardonné. Brunetto Latini, philosophe et érudit florentin, autrefois mentor du jeune Dante. Il souffre dans le 7ème cercle de l'enfer pour le péché de sodomie. Comment devenir éternel? Attends, la sodomie par le cul ou c'est un autre truc? J'aurais pardonné leur mensonge. Attends, non, mais je veux savoir c'est quoi la sodomie ici là. C'est fait péter le cul. Non, je pense pas que ce soit le cul. Je t'ai appris comment devenir. Non, connard, la sodomie c'est pour la bite. Ta gueule. Mais non, mais. Le mec s'est juste fait péter le yon, fait terminer en enfer. Wow, par contre, il est chaud son absolution, ouais. Et
essayer de me concentrer pour avoir le maximum de... Ça marche moyen, je t'avouerai. 38, on passe la barre des 1000, ouais, champion du monde. Le ciel, mais remix populaire, il est fondé. Oh. Ouais, le mec. Amen. Ah, j'ai mis. Succès des bourbons. C'est quoi? Non, ça c'est martyr, on s'en bat les couilles. Sagesse des hommes, on s'en bat les couilles aussi. Quoi qu'il nous faudra un peu de magie, mais on va garder toutes nos thunes pour la bénédiction, ça. La bénédicta. La félicita. Elle va supermarché, baba les bébés. Encore toi, mais putain, je t'ai pété le cul sur plusieurs dimensions. Tu veux pas de problème, même les gosses. C'est pareil, je suis tous les monothéistes. La limite trop chill. Ah, y a un autre mec absurde. Ah, peut-être passer le niveau. Hop, encore une pièce. Je n'aurai pas de repos. Je n'aurai pas de repos. Pitié, ne reste pas Guido Guerra, sourd à mon appel. Sage guerrier et chef des guelfes qui se compromit dans le sang des hommes et la sauvegarde. Protège-moi! Bon. T'es pédé et puis t'aimes le cul, mais bon. T'es peut-être pas un mauvais gars dans le fond. Russian, je finis ce cercle. Et je te laisse le stream, t'es ok? Tu me dis si tu es ok par un mot qui commence par O et qui finit par K. Si tu en trouves un autre, beau gosse. Raté. Ok. Il a niqué Rey Mysterio. Allez, ouais. Ok, ouais, du coup, je finis le cercle et Repends-toi. Je t'envoie un whiz. Ah! Je suis sûr que le son il est belge. Pitié, non. Putain, faut tous retaper quoi. 40 secondes de. Raté. Je fais que de la merde. C'est affolant. Il est mort en disant Wiz. Il arrive au nez. J'ai pas que de la merde, mais beaucoup. Il nominait Patrice. Comment il s'appelait? Il y en a un qui s'appelait Patrice aussi. Et qui était avec deux chavannes. Patrice Carmouze? Je crois. Forcément, il va y avoir un PTDR Patrice Tarlouze. Ah, on les connaît, les gars.
Waouh. Pourquoi est-ce qu'il y a une patchouli? Une galère. Assez. Voilà. Il ne nous appartient pas de décider du sort de leurs âmes. Mais quelles âmes? Nous sommes là pour les combattre. Ces êtres ne sont pas comme nous. Croisez et combattez avec moi. Faites couler le sang de ces païens. N'ayez pas peur. Leurs âmes sont déjà perdues. La colère de Dante, mon gars. Oh, des soldats turcs, autre pays. Invraisemblable. Ok, du coup, eux, on ouvre leur bouclier avec un petit sort, enfin, un petit coup de croisé. On est loyal à nos patrons. Ah non, ça ouvre pas carrément leur garde. Mais ça a l'air d'être assez efficace contre eux, du coup on va continuer. Hop. Yeah. La caquette. En même temps, ils ont la croix inversée sur leur bouclier, donc une petite croix bien inversée. À l'endroit, ouais. On dit à l'endroit. Notre Metal Power of Manga, Sanctified with Dynamite. La croix inversée, ça reste un symbole chrétien? Non, sérieux? Ouais, mais ça reste un symbole chrétien pour l'Antéchrist, non? Enfin, c'est... J'ai pas eu de cours de catéchisme, hein. Moi, j'ai même pas vu la Passion du Christ, hein. Oh là, remonte là-dessus. Ça te ferait pas chier de me filer la dernière croix de Béatrice, toi? Eh, mais en fait, une sorte de chèvre chien. Une chièvre. Ah bah non, du coup, ça passe. C'est quoi le derrière ça? Niveau sacré 5 requis pour porter. Dante ne peut plus être interrompu lorsqu'il utilise la croix. C'est pas dégueu. On attendra d'être au niveau max pour enlever la rame de Caron et commencer à foutre le tout. Parce que du coup, on serait invincible littéralement. Il y avait un mec, sa mère, c'était les croix inversées, il avait sa marque de basket cross. La croix inversée, on la connaît chez les chrétiens parce que c'est comme ça qu'il s'est fait crucifier Judas. Sérieux? Je savais même pas que Judas s'était fait crucifier. Je crois que c'était juste fait ken par les partisans de Jésus, c'est tout. Est-ce que tu sens que je maîtrise pas le sujet? Ah, parce que je te le dis, hein, je maîtrise pas du tout. Ah non, Judas il s'est fait ken par les romains aussi. Ah ouais, non mais aussi, s'il change le lore... Et puis
futur. Tout l'histoire de Judas, comment dire, elle est très peu présentée. Je sais. On s'intéresse plus au fils de Dieu. Enfin, fils de Dieu. Fils de Dieu. Il va avoir des emmerdes pour avoir dit ça. Enfin, déjà que je joue à un jeu qui est littéralement. Qui parle de Satan et tout ça. Je sais pas si je suis bien parti de base. Après, une question me vient à l'esprit, est-ce que je m'en battrais pas un peu les couilles? Aussi. Attends, le pire, c'est quoi, j'ai utilisé ça? Si je ressens pas les dégâts, et ben je peux avancer. Ah ouais, la belle somme. Finir les mines, mais je pourrais rien faire. Ok, c'est quoi les scarabées? Ça coince. En fait, ça coince pas du tout. Mais après, il faut aller rapidement. Ah si. Ah non, ça coince. Eh ben, écoutez, restez en bas, les PD. Ok, j'ai rien dit. Peut-être qu'on peut être copains. Évitez de m'envoyer des trucs dans la gueule et franchement, peut-être. Voilà, chier. C'est qui les PD? Oh, enfin, il y a quand même un comic sur Thor. Oui, mais il y a pas Judas. Donc les comics n'aiment pas trop montrer mec Jésus, mais les mangas s'en battent les couilles. Bah Judas, on va le voir dans le cercle des traîtres obligés. Ouais, peut-être. Il y a un manga qui s'appelle littéralement les vacances de Jésus et Bouddha. Ouais, enfin, c'est des mangas. À partir du moment où il y a un manga sur Hitler, niveau ethnique, ils ont abandonné. Même c'est pas pareil, eux ils s'en branlent, ça les a pas touchés comme nous, ça les a touchés. Bon, on va dire qu'Hitler, pour eux, c'était juste une figure... Par contre, ils font pas, ils évitent beaucoup les mangas où ils sont pris une grosse bombe nucléaire sur la gueule. Donc, oui, non, mais Godzilla, mais je parle vraiment, genre la grosse bombe nucléaire sur la gueule. Ça m'a jamais touché, moi. Oui, enfin, c'est sûr que notre génération, là. Le Phlégeton, troisième fleuve infernal. Vous en avez combien en stock, les boyaux? Ok, est-ce que c'est fini? C'est bon? Y'a Russian qui s'impatiente! Ah, ça sent le boss. Ça sent le boss. Les ennemis qui montrent ça, ouais, des bandes de sur la gueule. Tu casses. Oh. C'est Antoine encore? Francesco! Ah non! Mon frère! Mon frère! C'est toi qui m'as fait ça! Attends, écoute! Tu ne mérites pas! On peut peut-être en parler! De ma sœur. Encore moins son seigneur! Maintenant, paix pour tout ce que tu as fait! Francesco, non! Tu n'es plus rien, messieurs! Oh, il y a une petite fratelle! Eh, bon, tu pourquoi sans déconner, je t'adore? Ouais, je peux pas faire grand-chose. Il se fait doser, le boss. Se fait démonter. Ouais, dans tes boulots. J'ai fait les blagues. Wow. Rien à dire, c'est stylé. Oh, je m'en prends un peu trop plein la gueule et je fais ce lock. Si je suis en sécurité en faisant ça, mec, faut me gêner, non? Ah!
Yamela Ninja Gaiden, Sigma Warrior. Allez. Oh là là. Ouais, ça sent l'arrachage d'épée dans le dos et la décapitation à l'entier. Oh putain, c'était rapide, hein. Ah, c'est Dante qui gueulait. Putain, le furieux. Putain, c'est pas un Spider, c'est un Jedi. Un jeudi. Nique-lui votre mère. Dante, il était en mode, nous, on est les gentils, c'est les méchants, donc on peut un peu buter plein, on sera pardonné. Mais oui, en fait, c'est ça le principe. Alors, c'est quoi le bouclier? Dante est mieux protégé des attaques ennemies. Ah, c'est juste de la défense, quoi. Bah, pour l'instant, je préfère l'attaque. On lui a juste un peu tiré l'épée qui était dans le dos, ou comment ça se passe? Nous avons combattu au nom du Seigneur. Nous a-t-il abandonné? Non. Au nom du Seigneur? Un crime n'est commis qu'au nom de son criminel. Oh là là. Achète tes péchés, frère. Fais bon usage de mon âme. Je vais faire ce que je peux. Putain. Béatrice, la gueule. Ma sœur. Attends, Béatrice, c'est ta sœur. Mais... Ah non, non, en fait, ouais, il a dit mon frère, mais c'est pas son vrai frère. C'est pas son vrai frère, ouais, ok, ok. Non, non, c'est bon, j'ai juste cru que c'était un truc incestueux. Attends, donc attends, il se balade dans les enfers et rencontre sa mère, son père, son frère, comme ça. Bah je dis, c'est pas grand l'enfer. Déjà, moi, j'arrive pas à retrouver ma mère au spa. Non, en gros, là, on n'a pas niqué notre frère, il a juste niqué dans... C'était le style frère d'armes. Parce que lui, c'était le frère de Béatrice. Oh non, sinon, ça aurait été grave incestueux. Pas ouf. Ah, donc vous en avez rien à foutre. Donc, oh, par contre, ça devient plus sombre. Ah, il veut faire tout noir comme DR. Bon, toi, on va te dire comme ça parce que ça a l'air beaucoup plus facile quand même. Voilà, maintenant vous supportez la croix. Enfin, vous la supportez encore moins qu'avant, mais vous avez compris. Ça devient un shotgun en fait, la croix, c'est génial. C'est vrai que c'est chrétien là. Et ça c'est dégueulasse. Est-ce que tu peux te défendre devant le tribunal parce que t'as baisé ta sœur? Déjà, est-ce que c'est interdit par la loi? Oh non 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 non, il y a la connasse, il y a la connasse, il y a la connasse. Oh, je suis bloqué. D'accord, ouais, si elle est d'accord, c'est ça. Le mec il se renseigne. C'est fou ou pas? Critique, mec. Comment partir de la méga forge? Ah. Voilà. Et bah, enfin! Voilà, donc quand on niquera des mecs avec la croix, on sera plus de bif.
Maintenant, est-ce qu'il y a un truc à prendre de ce côté-là? Ça, les empoignades, on s'en fout. Ça, ça pourrait pas être dégueu. Ça, en l'air, pour balancer, pour faire des coups. Ouais. Le cyclone, je m'en fous. Lors d'une tornade. Ouais, en gros, ça, il nous faudrait le niveau d'au-dessus. Royeur d'âme, on s'en fout. Marteau du diable, ça, ça pourrait être cool, ça. Voilà. Ouais, ça peut être pratique. Bon, par contre, on tombe depuis à peu près 3 quarts d'heure. Je sais que c'est chaud l'enfer, niveau taille, mais bon. Là, on arrive au Japon, moi. Vraiment, j'ai oublié de voir sa face. L'horreur, putain. T'arrêteras pas pour avoir niqué ta sœur si elle est d'accord. Tu peux te marier avec quelqu'un de la famille à partir du deuxième ou troisième degré. Ouais, j'ai à l'église parce que la mairie c'est ok, je crois. Oui, tu peux te marier avec ta cousine, mais génétiquement c'est pas conseillé. Oh. Ah, la fraude, c'est sombre. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, il y avait un côté philosophique à dire « La fraude, c'est sombre !» Je sais pas pourquoi. Mec, imagine les enfers, faut tenir tous les gens qui sont morts depuis la création, faut une sacrée surface. Du coup, tu veux prendre la Russienne? Vu qu'on a sauvegardé, et je reprendrai du coup le stream, je sais pas quand, c'est ça le souci en fait. Vu que j'ai battu le boss, etc. Du coup, les copains, les copines, on va s'arrêter là. Comme j'ai dit, je sais pas quand est-ce que je reprendrai, mais on le finira un jour, ce putain de jeu. Peut-être plus tard, enfin j'en sais rien. On verra. Allez, en tout cas, moi je vous laisse. Russian va reprendre exactement tout de suite sur Gungeon. Je sais plus le nom du jeu. Si, attends. Ouais, non, je sais plus. Je vais fermer ma gueule et le laisser faire. En tout cas... La bisette, ça aurait été cool, et puis on se revoit tout de suite. Eh ben... Je... Putain, merde.